À l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation, l'ONG Action contre la faim s'est mobilisée dans toute la France et au Jardin Royal à Toulouse. 200 assiettes vides sur une nappe noire ont été installées. Objectif de ce banquet de la faim, sensibiliser sur les ravages de la malnutrition. Et ces 200 assiettes correspondent aux enfants qui vont mourir. Qui meurent toutes les demi-heures en fait dans le monde à cause de la faim. Le VIH est une priorité par exemple, ou H1N1 ça a été une priorité, mais finalement c'est tout relatif puisqu'il y a eu moins de 20 000 morts sur H1N1, alors que là en deux jours on a 20 000 morts avec la faim dans le monde. En 2010, on estime à 925 millions le nombre de personnes qui ne mangent pas à leur faim dans le monde.